Est-ce que je fais les bonnes actions et comment savoir si je suis sur la bonne voie? Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour ce nouvel épisode de podcast qui, encore une fois, m'a été inspirée parce que c'est une des choses que l'on me dit le plus souvent et qu'on me demande le plus souvent. Elisa, comment est-ce que grâce à mon design humain, je peux savoir si je suis vraiment dans la bonne chose? Est-ce que je suis vraiment alignée à ma mission de vie? Est-ce que, ce qu'on appelle sa mission de vie, est-ce que je fais les bonnes actions pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Etc. Etc. Alors avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages sur le human design. Tu trouveras une mine d'or d'informations sur ma chaîne, sur mon podcast, si tu veux aller plus en profondeur dans ta carte de design humain et aussi sur celle de tes clientes ou de ta famille puisque c'est vraiment un outil merveilleux en tant que thérapeute. D'ailleurs, je t'ai préparé un atelier gratuit, tu le trouveras dans la description ainsi que le lien pour calculer ta carte gratuitement. Et si ça fait un moment que tu écoutes mes épisodes, pense à noter le podcast suivant la plateforme que tu écoutes. Vous savez que je suis toujours heureuse de vous lire aussi dans les commentaires, d'avoir vos retours d'expérience. Ça me donne aussi des idées pour des prochaines vidéos et des prochains podcasts. Alors allez-y. Et sans plus attendre, rentrons dans l'épisode. C'est vrai, je l'avoue que j'ai mis « Comment savoir si je suis sur la bonne voie grâce à mon design humain ?» Sauf qu'il y a quelques temps, sur mon compte Instagram, je vous ai publié un Reels où je vous expliquais que j'en avais un peu marre de vous parler du générateur, du projecteur, du réflecteur, blablabla, et de vraiment vous donner des informations un peu séparées du design humain, même si je sais que c'est ça qui fait aussi la beauté de votre apprentissage, d'aller chercher les informations une par une. Ce que je veux vous apporter, c'est du concret, c'est des choses qui fonctionnent, que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie. Et du coup, c'est vrai que dans ce podcast, je vais parler de beaucoup de choses du design humain, du jargon plus ou moins compliqué. Donc si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si vous comprenez pas tout de suite. Alors oui, si vous voulez savoir si vous êtes aligné ou pas grâce à votre carte de design humain, vous pouvez regarder ce qu'on appelle la signature. La signature en design humain, c'est ce qu'on ressent quand on est aligné. Alors forcément, vous pouvez être ultra aligné dans quelque chose et ne pas ressentir ça tout le temps. Je prends l'exemple du générateur, du type énergétique générateur, qui lui a la signature de la satisfaction. Vous pouvez faire un projet qui vous fait kiffer et ne pas tous les jours être dans la satisfaction, ce qui est tout à fait normal. Mais la satisfaction en design humain, c'est réellement une sensation que l'on a quand on est aligné, quand on va par exemple se coucher et on se dit « Ah ben, oh, j'ai vraiment vécu ma journée, je me sens bien. » Passer la signature en suivant votre type énergétique, elle change. Et là où je vous invite vraiment à mettre de la lumière, c'est sur votre signature effectivement, mais plus loin que ça. Et c'est là justement où j'aimerais rentrer en profondeur dans le design humain. Déjà, pour vous, qu'est-ce que c'est les bonnes et les mauvaises choses? Parce que vous savez qu'on a toujours été peut-être conditionné. Parce que vous le savez, autour de nous, on peut être conditionné, que ce soit par notre famille, par notre éducation, par même notre emploi. Et du coup, c'est hyper important de revenir à soi. Et c'est pour ça que je vous demande vraiment au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les bonnes et les mauvaises choses pour vous? Parce que vous pensez peut-être que c'est une question un peu lâchée comme ça. Pourtant, elle est clairement vitale. Elle est aussi vitale dans l'application de votre design humain et de votre carte de design humain. Parce que se respecter, parfois, c'est dire non à des choses dans lesquelles on est établi depuis longtemps et que ça nous fait mal, parfois, de se dire « punaise, il va falloir que je change, que je fasse des changements ». On pense que ça va faire mal parce qu'on est habitué, parce qu'on est dans une zone. Et du coup, là, j'en viens à un point très important et je vais vous raconter une histoire. La semaine dernière, j'étais en vacances et je me suis dit « pourquoi pas, je vais regarder les films d'Harry Potter ». Et du coup, je regarde un des films qui est le film avec Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Et vous allez voir à quel point ça, parce que des fois, vous regardez un film et puis après, ou vous écoutez un truc, au fur et à mesure que vous l'écoutez et que vous le voyez, vous avez toujours des déclics, mais des choses différentes aussi. Et moi, je pense vraiment que j'avais besoin de voir un déclic sur ça. Et dans le film, à un moment donné, Harry, il reçoit et il gagne en fait une fiole de chance. Ça veut dire que quand il boit ça, il aura de la chance pour tout. Et avec ses amis, Hermione et Ron, ils décident d'utiliser cette fiole-là pour aller parler à un professeur, parce qu'en allant parler à ce professeur-là, il va avoir des informations précieuses pour détruire Voldemort, etc. Et vous allez vraiment comprendre pourquoi je vous dis ça. Et du coup, il boit la fiole devant ses amis, et là, il se dit « Tiens, je vais aller voir Hagrid !» Et ses amis, ils comprennent pas, ils disent « Mais attends, tu viens de boire la fiole, pourquoi tu dis que tu vas voir Hagrid alors que t'es censé sortir de la pièce et aller dans la salle du professeur pour aller parler avec lui? C'est pas logique ce que tu veux faire. » Et lui, il dit « Non, non, il faut que j'aille voir Hagrid !» Et en fait, quand il part sur le chemin, il croise le professeur. Et ça, mais ça, c'est vraiment la preuve que, en fait, nous, dans notre quotidien, parfois on fait des actions et spontanément on va se dire « Et tiens, et si je faisais ça ?»
Et en fait, c'est pas logique. Il y a rien de logique là-dedans. On se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai la sensation qu'il faut que je fasse ça? Et dans notre design humain, ça s'appelle la stratégie et l'autorité intérieure. C'est notre corps qui nous parle pour confirmer des ressentis qu'on a. C'est confirmer des ressentis. C'est notre intuition. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, hein, dans le gros jargon, c'est l'intuition. En design humain, c'est la stratégie et l'autorité. C'est notre corps qui nous parle. C'est quelque chose qui est, voilà, quand on le ressent. Par exemple, si on est générateur sacral, ben, ça vibre dans nos tripes. Si on est émotionnel, effectivement qu'on a ces vagues d'émotions. Mais c'est tout simplement la réponse en général. On sait ce qui est juste. C'est juste des émotions qui sont aussi drivées par les pensées qu'on peut avoir et qui vont peut-être avoir un impact sur la décision avec des peurs, avec des pensées qui, au final, ne sont pas vraies. Et du coup, le design humain, quand vous le regardez dans son entièreté, quand vous regardez votre carte complète, quand vous additionnez votre type, votre stratégie, votre autorité, vos canaux en fait, comment est-ce que vous fonctionnez? Typiquement, moi, dans ma carte, je suis quelqu'un de très spontané. Ça veut dire que si au jour d'aujourd'hui, vous me demandez d'écrire mes vidéos, je vais pas être capable de le faire. Et par contre, oui, si vous me demandiez d'écrire toutes mes vidéos pour développer mon entreprise, je serais hyper malheureuse et peut-être que j'aurais jamais continué ma chaîne YouTube sur le design humain. Et là où je veux en venir, c'est que vous savez quand vous êtes dans les bonnes choses, parce que oui, vous prenez plaisir à le faire tous les jours et peu importe votre type énergétique, vous allez dans la tâche et vous continuez à faire ça. Et parfois, vous allez avoir des pensées. Et ces pensées-là, elles vont vous dissuader de faire ces tâches-là. Et c'est pour ça que c'est aussi très important dans votre carte de design humain de regarder les deux centres, donc l'inspiration et l'ajna, pour voir le type de portes qui sont activées, les types d'anxiété mentale que vous pouvez avoir grâce à l'ajna. Et j'ai fait une vidéo sur comment comprendre son anxiété grâce au design humain avec le centre de l'ajna, que c'est le centre énergétique de la conceptualisation, de nos idées, mais aussi de l'anxiété. Et l'inspiration, qui est le centre tout en haut de votre carte, qui lui va plus nous dire si on est quelqu'un qui va être plus concentré sur le passé, à tout le temps à être dans le passé ou plus sur l'avenir. Comment est-ce qu'on va être influencé à penser tout simplement? Et dans le design humain, le mental, c'est pas un outil de prise de décision. C'est toujours quelque chose qu'on est venu là pour offrir aux autres, mais c'est pas ce qui nous fait prendre des décisions, c'est notre corps, nos ressentis. Et quand vous mettez de la lumière sur ça, c'est beaucoup plus simple pour vous parce que ça aussi, vous me répétez souvent, vous me dites « Oui, mais du coup, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je fais ?» Mais déjà, l'observation. Si vous saviez le nombre de personnes, et c'est pas pour rien que le livre « Le pouvoir du moment présent », il a fait un vrai carton parce que quand vous lisez vraiment ce livre avec beaucoup de subtilité, vous voyez que c'est beaucoup d'observation de soi. Et le fait de regarder ses pensées et de pas passer à l'action sur ces pensées-là va aussi être hyper important. Par exemple, si vous avez la porte 17 dans votre carte de design main, dans l'ajna, vous savez que c'est à l'anxiété mentale que vos opinions ne vont pas être prises en compte. Ou si vous avez par exemple la porte 43, c'est que vos idées elles sont trop folles ou trop lubiques, qu'on va pas donner de l'importance. Ou la porte 11, qu'on vous pique vos idées, que vos idées ne valent rien. Et du coup, vous partagez pas, vous dites « ouais, je vais faire différemment », vous modifiez toujours ce que vous êtes en train de faire. Ça a plus la même saveur en fait, ça a plus le même goût. Et quand vous arrivez vraiment à observer ces énergies-là dans votre carte, plus tout lié, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Et là où je veux en venir, c'est que vous pourriez, en fait, pour retrouver l'alignement, ça va être aussi d'observer quand ces pensées-là, elles deviennent trop obsessionnelles dans votre tête, je sais pas si ça se dit comme ça, et quand est-ce que c'est oui ou non le bon moment de prendre l'action. Et ça m'est arrivé il y a quelques temps. Il y a quelques temps, j'étais dans une confusion et dans un brouhaha total, et d'ailleurs, c'est pas parce que vous voyez des gens sur internet qu'ils vivent pas ça. Pour moi, il n'y a pas de choses en fait. Pour moi, en fait, c'est vraiment cette idée d'être aligné avec qui on est, et avec ce qu'on fait, peu importe les pensées, et parfois de ne pas s'attacher aux pensées, parce que parfois vous allez avoir... Quand vous vous dites « Ouais, est-ce que je suis encore dans la bonne voie ?», vous allez avoir des pensées qui surgissent. Et ces pensées-là, elles vont vous dire « Ah ben tiens, ça me lasse, change d'activité. » Ou « Ça me plaît plus, j'ai plus envie de faire ça. Est-ce que je suis encore juste ?» Et du coup, pour moi, il y a vraiment deux choses qui vont vous aider. La première, qui n'a rien à voir avec le design humain, mais que le design humain peut vous aider, c'est votre hygiène de vie. Votre hygiène de vie, elle a clairement un impact sur votre anxiété mentale, sur le manque de sommeil. Je sais, quand on est jeune maman, quand on a des enfants... Quand on a une maison qu'on ne peut pas demander de l'aide, je sais, d'accord, que c'est pas toujours évident. Par contre, le fait de vraiment manger très mal, manger pas bien, consommer du sucre en excès, de pas donner de l'importance à votre sommeil, à prendre du temps pour vous, ça a un impact sur ça. D'ailleurs, quand j'ai fait les vidéos sur la reconversion professionnelle sur ma chaîne, les premiers conseils que je donne, c'est vos fondations en fait, votre hygiène de vie. C'est si vous voulez vraiment avoir plus aussi de clarté sur vos intuitions,
votre anxiété mentale, elle est aussi régie par vos habitudes alimentaires et vos habitudes de vie. Donc ça, c'est le premier point. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, posez-vous la question si aujourd'hui, vos habitudes de vie, elles vont dans le sens de, finalement, est-ce que je prends soin de mon âme, de mon être, etc. Et deuxièmement, c'est est-ce que les pensées que j'ai, elles sont pas en train de me mettre en réaction par rapport à quelque chose que j'ai vécu ? Imaginez que vous êtes thérapeute, vous sentez bien dans ce que vous faites, et puis un jour vous scrollez sur les réseaux sociaux et là vous voyez plein de personnes qui font la même activité que vous, dans la même niche, avec les mêmes personnes, et vous vous dites « Oh mon Dieu, je peux plus le faire, je veux plus faire ça, tout le monde fait ça, ça sert à rien, pourquoi continuer ?» Et ces pensées-là, elles ne veulent rien dire à propos de vous parce qu'après vous allez penser que vous n'êtes pas assez et puis votre mental il va commencer à vous raconter encore d'autres choses. Et ça aussi ça peut jouer sur le fait que vous vous posez la question « Est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas ?» Donc revenir à vos ressentis, à vos sensations, c'est vraiment crucial. Et du coup je vais vous mettre la vidéo sur l'ajna juste ici, comme ça vous allez pouvoir aller plus en profondeur. Donc voilà pour cet épisode de podcast. Pensez à me dire dans les commentaires, je sais que j'ai pas forcément parlé énormément du design humain en large, en long, en profondeur. J'ai vraiment axé cet épisode sur l'importance de vivre sa carte dans l'entièreté, de pas juste regarder le type énergétique, même si ça peut déjà énormément vous aider, de prendre soin de votre hygiène de vie, ça c'est la base, vraiment. Et troisièmement, de faire un pas en arrière sur vos pensées, de voir aussi dans votre carte de design humain comment est-ce que justement c'est activé, sachez-vous, dans votre centre de l'inspiration, dans votre centre de l'ajna. Est-ce que vous passez à l'acte tout de suite après avoir eu une pensée ou pas ? Puisque le mental n'est pas un outil de prise de décision, c'est vraiment les ressentis et le corps. Donc voilà pour cet épisode de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée.